ngai. Alléluia. 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 Oh alléluia. Chante avec nous alléluia. Oh alléluia. Alléluia. Oh alléluia. Nous sommes dans le cadre d'un programme que nous avons dénommé TONCA 2023. TONCA veut dire conférence et campagne. Conférence et campagne. C'est la deuxième édition que nous organisons. Quand bien même qu'il y a déjà une campagne d'évangélisation qui a été organisée en 2012, et ce n'est qu'une campagne. Et maintenant, le programme TONCA a commencé en 2019. Où nous avions travaillé avec le père missionnaire, qui a son nom, le révérend Fabien Lapandangi, où nous étions comme étant coordonnateur communal pour la commune de Kinshasa. Et nous nous sommes lancés dans la première édition de TONCA en 2019. Arrivé en 2023, le Seigneur nous parlera afin que nous puissions relever la mission. Et en ce moment-là, je me disais, Seigneur, avec qui partir? C'est en ce moment-là que le Seigneur nous dira, il est temps qu'il se lève une équipe de la mission. Il ne peut pas partir seul. Le chiffre 1 est trop petit pour accomplir de grandes choses. Et là, il nous parlera de la mission team. Comme vous voyez dans vos invitations sur vos cartes, on a écrit l'Église Pentecôtiste et Dieu fidèle avec Mission Team. Mission Team, c'est l'équipe de la mission en anglais. C'est comme ça que nous l'avons reçu. Mission Team, Team qui veut dire équipe. Et Mission, c'est la mission. Elle a dit, tu ne peux pas partir seul pour prendre la 2023. Il faut nous rassembler autour d'une équipe. Et cette équipe doit être organisée. Et nous sommes dit comment y parvenir. Comme nous avions déjà dit à l'époque que cette année, nous allions passer à la deuxième édition de la TONCA. Mais je n'étais pas encore en train de me battre avec mon esprit pour dire Seigneur, comment faire avec les réalités socio-économiques. Vous savez, organiser une campagne, ce n'est pas facile. Nous allons déjà dans le budget, dans le plan de quelques dollars. Mais nous avons dit, puisque c'était la vision du Seigneur, qui nous a fortifiés. Nous disons encore à nos épouses comment il parvenait, comment faire. Le Seigneur nous a soutenus à quelques 4 ou 5 mois. Mais même a dit qu'il faut y aller. Cette organisation que vous voyez, c'est une organisation de 3 mois, pratiquement. Et Dieu nous a soutenus, il nous a fortifiés. La mission team, c'est veut être une institution spirituelle qui sera là pour aider dans la mission. Nous avons pour objectif d'organiser des conférences et campagnes tout le long de l'année, comme quand on a des conférences et campagnes. Aujourd'hui, nous sommes en train de toucher à ça. Demain, après-demain, nous serons à Tchangou, nous serons au Moranda, nous pourrons être à Funa. Et pourquoi pas les nord du pays, après demain au Cameroun, au Gabon, en France, aux États-Unis. Par conséquent, il faut partir avec les personnes, il faut partir ensemble, le chiffre est un peu petit. D'où cette équipe formée, la mission team, qui sera là pour organiser la TONCA chaque année, conférence et campagne. Et également, nous avons une coordination de femmes, qui est dirigé par la servante de l'Éternel, que je demanderai, ce n'est pas encore l'heure de la présentation, mais on peut acclamer pour elle, elle est présente, c'est la prophétesse Alpha Pam. On peut s'élever pour la gloire du Seigneur. Gloire du Seigneur. C'est la prophétesse Alpha Pam qui est la présente. C'est elle qui est la coordinatrice du département de femmes. Elle est visionnaire de l'église Manassé à la commune de Bandal. Et c'est devenu la coordinatrice des femmes. Donc le mission team sera également pour organiser une convention des femmes servantes. Je vous remercie. Sera là également pour organiser une convention des femmes servantes chaque année. Et
Nous avons également une coordination de la jeunesse qui est conduite par l'évangéliste Jocelyn qui est un peu malade. Donc nous aurons trois points d'activité chaque année. Il y aura la FONTA, conférence et campagne, il y aura une convention des femmes savantes et il y aura aussi également une convention des jeunes missionnaires. Ça, c'est le petit point de vue spirituel. Et le Seigneur va nous donner une même orientation, c'est pour le faire. Parce que l'action de Satan, l'Antipachine, ils réclament déjà la prochaine édition chez eux. Nous avons des représentants. La niche intime est organisée. Nous avons les coordonnées, nous avons la direction générale. Et nous avons la grâce de pouvoir coordonner. Ensemble avec la servante de Dieu, maman Sabatito. Nous avons la direction générale, nous avons également le directeur, nous allons passer à l'ordre de présentation après. Nous avons le département, nous avons la coordination des femmes, nous avons la coordination de la jeunesse. Ça, c'est du point de vue spirituel. Mais du point de vue économique, social et humanitaire, la niche intime, c'est de être une branche qui sera là pour soutenir également la mission. S'il faut organiser la compta, ça demande des finances. Par conséquent, nous aurons besoin d'argent pour le faire, contre les quelques difficultés que nous connaissons, pour pouvoir organiser les choses. L'argent n'est pas un tout. Il nous faut créer des institutions qui nous permettront de générer des ressources. D'où le point de vue humanitaire et économique, nous aurons demain après-demain la niche intime service traiteur, niche intime hôpital, il y a des médecins dans notre juridiction, niche intime chariot automobile, niche intime sécurité, niche intime dans les différents domaines. C'est pour permettre à ce que les ressources soient générées et que nous puissions soutenir l'œuvre du Seigneur. Et voilà. Avant que l'objectif numéro 2 ne soit accompli, que c'est donné, il faut que nous puissions bien asseoir les coordinations. L'année prochaine, nous serons là pour installer les différents coordinateurs communaux. Jusqu'à nous en avons quelques-uns. Nous avons le coordinateur de Massima, nous avons le coordinateur de l'Angine, nous avons le coordinateur du Bourgogne, nous avons le coordinateur de Tangal, nous avons quelques coordinateurs. Ils ont le temps de s'organiser pour que l'année prochaine, nous puissions passer à remettre les documents officiels de coordination, parce que chaque coordination communale aura une proposition de 15 personnes ainsi que les conseillers. Nous avons aussi les directeurs de province qui sont là. Nous sommes au Katanga, nous sommes au Congo central. Et nous avons aussi les présidents nationaux de pays qui sont déjà en France et dans d'autres pays, également quelques pays. Nous sommes en train de nous affamer par la grâce du Seigneur. Alors, je vous en prie, nous aurons besoin de votre prière tout à l'heure, afin que vous puissiez prier pour cette équipe, que Dieu nous soutienne pour aller loin avec le Seigneur. Voilà, nous avons commencé la fin de 2023 depuis le lundi. Je vais basculer à la langue de la Tanza, si vous me le permettez, parce qu'il y a des gens qui nous suivent en direct. Alléluia. Efficace.
Madame Monsieur sur la gestion administrative et financière de l'Église, Madame Monsieur sur la délégation du pouvoir, tel que la table de Jean-Louis avec deux ans et six ans citoyens, dans la mission, Madame Monsieur que les pasteurs peuvent être payés à l'Église, c'est possible. Madame Monsieur la répartition de la ressource, addition de 5 millions de chaque mois, pasteur et les gens la salaire. Je pense que l'image des arts préparés, on l'a dans l'eau. Effectivement, déjà dans l'image de plus de temps, on l'a gâté, la matière, tout ce que je peux faire, c'est de on a la groupe de l'action politique dans l'eau, la main, c'est malin, madame, que le bas. Mais pour ce résultat, imagine la bâtiment chouchou, afin que ça ne m'a pas été à ma tête, dans mon site. Mais pour le but, si la bâtiment chouchou, si de la bâtiment chouchou, nous sommes dans le seul bas favorable. Alors, le combat qui compte pour la main, c'est le but de l'État. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Je veux demander
à mon père Jean-Richard, il va prier pour recommander ce moment au nom du Seigneur. Tendre Père, le moment est arrivé où nous voulons que tu nous combles de cette nourriture convenable et autant convenable. Te recommandons tous tes instruments que tu avais préparés ou destinés avant la fondation du monde, que tu puisses les remplir de sagesse et d'intelligence, que tout ce qu'ils diront, Seigneur, soit pour l'avancement de ton œuvre et l'édification de ton peuple. Par le truchement du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit se manifeste puissamment du début à la fin, car il est écrit dans ta parole que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons commencer avec toi et terminer aussi avec toi. Nous bénissons tous tes serviteurs, servantes, en ces lieux. Que l'honneur te soit rendu, gloire et louange, dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Il nous reste juste 25 minutes. Nous allons parler. Est-ce qu'on peut s'asseoir à acclamer pour le roi des rois? Ok, Maman Likambo, la vie pour l'au-delà, c'est comment y parvenir face au Père. Comment y parvenir face au Père. La notion du Père, la notion du Père, comment y parvenir. C'est ça notre premier cours. Nous aurons un deuxième cours qui sera donné par l'évêque Lundé, la foi qui amène au surnaturel. Et ensuite, nous allons prendre le troisième orateur pour la mission. Je n'ai que quelques minutes pour l'enlever là. Comment y parvenir face au Père, la notion de Père. Sans oublier qu'on attaque la conférence, la mission à 2 Timothée 2:2, pour que tu aies la même texte, on a la combo la Yesu. Et ce que tu as entendu, j'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Et ce que tu as appris de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont aussi capables de l'enseigner à d'autres. Oyoye koli kou te pa inangali. Oyoye koli kou te pa inanga Paul. Ça c'est Paul qui s'adresse à son fils Timothée. Et te oyoye et pa inangali Paul. Pesango na bato o maza sembo. Batango pe baza la pena ma konki a pesango na bato mo susu. Lorsque nous examinons ce verset, toujours on a combien de générations? Premièrement, toujours on a Paul s'adresse à qui? À Timothée. De Paul à qui? À Timothée. Timothée doit être aussi capable de le donner à d'autres personnes, à des hommes fidèles. Donc de Timothée à qui? À des hommes fidèles. Et les hommes fidèles, pas à la paix capable d'avoir Sango, n'a pas ton souci. Ici, Paul est en train d'orienter Timothée à la notion du coaching. Puisque afin que tout ce qui est le cas, 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 le afin que puisse opérer, Yesu Masia Zoparabina, Nabaye Kolinaye, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'homme. Je vous ferai, pas je vous fais maintenant, mais je vous ferai. Ça veut dire que le temps entre le présent et l'avenir, dans le moment où on a la quatrième, c'est la formation. Et votre premier cours, la mission, c'est la place de la formation dans le cadre du ministère. C'est très important, les pères qui sont là, prenons le temps de former nos enfants. Ne soyons pas des pères éternels, car le Père éternel, c'est Dieu lui-même. Un jour, nous allons nous fatiguer, un jour, nous serons appelés à faire autre chose, mais Seigneur, nous sommes ça les fonds, il y a pour Zarabatata, au baso formé de ma Timothée. Tu es là. Qui est ton Timothée, homme de Dieu? Qui est celui que tu as formé? Oh, a permis qu'aux Arabes, ceux qui ont appelé à défendre les pères sans malam. Azate, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, les noms en des futurs m'appellent à ma petite Coutino, parce qu'ils parlent comme leur père. Mais deux fois nous faillissons. Deux fois nous sommes devant la chair du 1er au 30 au 31.
De fois, nous, nous sommes au maître formé par la vie. Nous avons tendance à donner plus l'importance à l'Ibanda, au KTN, à la séminaire, l'Ibanda, au KTN, à la campagne, ça et là. Mais est-ce que nous avons le temps de former nos propres enfants? Est-ce que nous avons des écoles, des disciples dans nos églises? Est-ce que nous avons le temps de donner du temps? Mon ami, la sorte, j'ai lu un livre qui dit qu'il est important de donner au moins 60% de temps à tes enfants et de donner peut-être 40% de temps ailleurs. Parce que le temps où tu sois les bango, tu sois imprégné dans bango vision. Oh, et puis il y a pourquoi tu as pas poussé l'ensemble. Paul s'adresse à Timothée. Il dit, ce que tu as appris de moi, Paul, confie-le à des hommes fidèles. De Paul à qui? À Timothée. De Timothée à qui? Aux hommes fidèles. Et les hommes fidèles, pas à la paix capable d'enseigner la bâton de source. Il y a quatre générations. De Paul à Timothée, de Timothée aux hommes fidèles, les hommes fidèles aussi, il faut pas trouver bâton de source. Alléluia. Il faut que vous soyez capable de mettre le de Barako Konkelani. Alléluia. Vous avez capable de tout par papa Médi. Vous avez capable de vous en abattre. Nous sommes appelés à former nos enfants. C'est ça notre, dans notre introduction. Mais seulement nous remarquons, il est aussi composé concept, comment y parvenir face au Père. La notion de Père, comment y parvenir. Et là, nous allons distinguer trois sortes de Père, trois caractères de Père, conformément à la parole du Seigneur. Alléluia. Je prends le premier type de Père, c'est le Père Saoul. Père Saoul. Le Père Saoul, ce sont de pères tueurs. De pères qui n'aident pas leurs enfants à exceller. De pères qui n'aident pas leurs enfants à aller de l'avant. Ils ont découvert une grâce dans la vie de leurs enfants. Il a découvert que moi, nos petits azamoto, petits adé, ok, le moussika, là, on appelle ça grâce. Bah, vieille, bah, ça a grâce, on y est, bah, on a. Les normaux, on a petits, les kabouza, le petit azamoussa, les amoulés. Mais si c'est un père Saoul, au lieu de t'aider à développer cette grâce, ce talent-là, il sera là pour chercher à tuer cette grâce-là. 1 Samuel chapitre 24, verset 11 à 13. 1 Samuel chapitre 24, verset 11 à 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. 1 Samuel chapitre 24. Du 11e au 13e verset. David dit ceci. Le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fit ainsi adresser à Gad le prophète. Non, là, je suis dans 2 Samuel, je viens de signer. 1 Samuel chapitre 24, je suis dans 2 Samuel. Il y a trouvé avant nous 1 Samuel 24. Je lis 1 Samuel 24, 11 à 13. Lecteur de la Bible. 1 Samuel chapitre 24, verset 11 à 13. Oui, merci papa. 1 Samuel chapitre 24, verset 11. Donnez le micro, voilà. C'est bien. Voilà. Tu vois maintenant de tes propres yeux, l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre les mains, dans la taverne. On m'excitait à te tuer. Et j'étais épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi, et toi, tu mettrais des embûches pour monter la bouche. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Je ne porterai point la main sur toi. C'est juste là. Allons-y en deux. Juste pour continuer. Oui. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Prenez le verset 17.
verset 17. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ses paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix, ô fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui, moi, puisque l'Éternel m'a fait livrer entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Nous sommes en train de notre thème, c'est comment y parvenir face au Père. Le premier type de Père, nous avons dit, c'est le Père Saoul. Le Père Saoul, Azali Tata, a dit que moi, Nazan Alikabo, Kasi, et si Kassungaï Alikabouana, Yazoua Kobuni Sande, moi, Naona Bote, soit Abungi Salikabou, soit Alongoade l'église, soit Atikabosa et la Bouddha Zambé. Saoul connaissait très bien que David a été oint pour le remplacer en tant que roi. David a été oint très jeune. Une cérémonie a été organisée, Samuel a quitté Mafuta, a suivi ce qu'il a dit Mafuta. Et il était entré dans le palais royal, pas en tant que roi, mais en tant que chantre. Il a commencé à servir son père Saoul déjà. Il est entré dans le palais royal, à Betty Music, pour dire ma bézoki, Saoul, a dit à partir de ce jour-là, à le roi Bissou Sunakat, dans le palais royal. Saoul le prit à son service dès ce jour-là. Et quand la bêtise de la Bible, il dit, tu m'as récupéré, tu m'as dit, 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 tu et depuis ce jour-là, tu dis ceci, dans sa moisesse, et qui a adopté la carte de l'Aïe, il n'était plus sorti, tu as dit la carte d'un palais royal, pas en tant que roi, mais en tant que serviteur. C'était donc son fils. Saoul, David, avait pour père David. C'était vraiment, il a pris le temps de voir Saoul diriger, il a eu le temps de le voir conduire, et il était préparé à cela. Mais seulement, Saoul, sachant que David avait reçu l'huile pour le remplacer, lui s'attendait à ce que Jonathan a remplacé les Sikaonomananaye. Alors pour ça, la tout a lu Boma David, a Bomaye, par plusieurs fois, a vu et pélant sa voix qu'il si finalement, Jonathan comprenait qui était, attendant la Zamwa dans un roi, mais Nzamba pour lui montre mon soussou. Si quelqu'un Nzamba tient que les prédictions de Jonathan n'a pas bon à l'issue. Bah Jonathan, on va pour Sunga Bisso, voilà ma belle mon père pour y aller, pour Sunga, afin que yon qui m'a ma belle on a. Vous n'avez pas lu mon saint, on sait bien, il est là pour nous parler, mais le saint est-ce qu'il peut utiliser de Jonathan. Que Dieu mette auprès de toi de Jonathan. Alléluia. Jonathan était venu dire à David, attention. Tata sur le de ma mère. Yo za na na wa. Nga to ke non dine hein. Na yo ka non pa na papa on ba. Sura to mboki te. Nga na yo yebisa. Sura to mboki. Na za ba flèche na rebe ka. Sura dit na servita na kende mo sika. Je la ma flèche wana. Comprendre que il y a Dieu du côté. Moi na benda na. Le son a dit ka. Et ça on va tender nia. Et ça code. Le ba te vie a dit na kanda na. Mu kona ta ke na table. Saoul a dit où est David? Parce qu'il mange à sa table. Mais David était assez longue pour la mission qui est de non! À cause de ce point aussi, il m'a envoyé. À ce flèche, à quoi qui? Des petits en effort, à ce que nous avons dit, nous sommes royauté. Si vous avez un petit peu de Jonathan, quand on voit, vieux, le sikh. C'est David en Mikati. À ce serviteur, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, à petit flèche, mon sikh, qui m'a dit, que nous sommes mon sikh, qu'on a. Elle a yé. Elle serviteur à quel cas? Maman David a dit à sa zame, à sa alliance laïque à la vie. En tout cas, l'idiot, les armes, ni qui m'a donné la nourriture, en bon moyen. Alors, c'est comme ça qu'Amelé Koki Mamba, à son nom en athée, Saoul est en train de le poursuivre, de le pourchasser, pour Aluka Boma David, parce qu'il savait que David avait reçu l'huile pour être roi à sa place. Alors, ce genre de père, ils connaissent la grâce que tu as. Parce qu'en ce moment, quand Goliath était tombé, on a chanté Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Yoka Kandabi dit Petio, Ramon de Ramadan, Petio Nde. C'est toi le pasteur de cette église? Yoka Papa, si tu vas tourner la banne. Son mouvement a sauvé la montre. Dit c'est toi le deuxième pasteur de cette église? Dit quand Dieu m'avait donné la vision, toi tu étais là? Non, Père. Acceptons qu'il y ait des enfants qui font comme nous. Acceptons qu'il y ait des enfants qui nous
des copies. Acceptons qu'il y ait des enfants qui sont capables de prêcher comme nous. C'est plutôt notre fierté. Alléluia. Amen. Je ne porterai pas la main sur toi. Voilà David Azoki Malakati Azamba. Qu'est-ce qui s'était passé? Saoul Azolukali. Vous commencez comme la carte de Sikamoko Somolo. David a dit mis place ou non. Aïe Kozoa. A dit non, comme Saoul Azolandanga. Namoui Baladi Poki Bateni. Aïe Karapele Penamanto Naye. A Kati Moua Songe Lamba. A Kenango. A se retirer Nanabat Naye. A comme aussi Kamoko Benga. Mon père Saoul, Saoul. Mon conti, mon roi. A dit oh. Voilà Naye. Est-ce toi? Est-ce c'est la voix de mon père? De mon fils David. Oui, mon père, l'Éternel t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas osé lever la main sur loin de l'Éternel. Si quelques hommes de Azala jusqu'à Tinangana yo, n'a pas eu qu'on tombe à l'eau pour pas pour la mine en Zambé. Alléluia. Je m'intéresse au fils. Peut-être que nous avons des pères tueurs, des pères qui cherchent à nous tuer. Au moins, on a besoin de vie à sortir dans la calme, à vie à l'Ikigate. Mais nous n'avons pas le droit de porter les mains sur les pères. Alléluia. David a eu des occasions d'éliminer son père. Mais il n'a pas voulu lever la main. Il a dit, je ne porterai pas la main sur toi. Il a dit, je ne peux pas lever la main pour nous vouloir au Pakolami Nanzambe. Combien de pères aujourd'hui, combien de fils aujourd'hui, puisque le père ne l'aime pas, le fils est appelé à lui dire, viens dans ton saïti. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas facile avec ce genre de père. Mais on a dit comment y parvenir, c'est ça notre question. Quand nous rencontrons ce genre de père, hier ici le révérend Zaka nous a parlé sur la notion des caractères des pères. Il a parlé des phlegmatiques, des mélancoliques, des sanguins, de différentes sortes. Tu peux avoir un père comme Saoul, il reconnaît la grâce qui est en toi. À reconnaître que Petit a la grâce en Zam. Petit a la grâce. Mais si tu as un peu de là, hier a un bon maillot. Je suis remarquable, ma père Saoul Bazalaba. Ça, le col à David. David a kati songe lamba, habita la papa, zamba kabaki na maboko nanga, kasi na boyi ko simba yo, parce que zali mo pako la na Nzambe. Je ne peux pas lever la main sur loi de l'Éternel. Combien de fils ne tuent pas leur père? Personnellement, nous qui vous parlons, par la grâce du Seigneur, le visionnaire de cette église, c'est mon père dans la chair qui est aux États-Unis. Mais tellement que nous avons eu la grâce de faire les sciences économiques, il disait, mais toi, toi tu dois aller faire, tu dois aller travailler toi, c'est quoi ça? Hein? Tu te prends pour qui? Le deuxième pasteur de cette église ou quoi? Amen, amen. Combien même qu'il reconnaissait que Dieu nous avait appelés, mais ça n'a pas été facile. Cette église aura 25 ans d'existence, au mois d'octobre nous allons vous inviter. Nous avons 21 ans à la commune de Kinshasa, on a commencé en ville où on a fait 4 ans à Gombe, et nous sommes venus ici en 2002. À l'époque j'étais en première licence en économie. Et lorsqu'il partait aux États-Unis en 2004, j'étais représentant de l'illégal sur papier, mais il préférait prendre les autres serviteurs vers le sable. Cette église a connu certains retards dans la croissance. Pourquoi? Parce qu'à se défavoriser les représentants légal adjoint à l'époque, il fasse à la Wana, a dit le pasteur Moussoussou, a déconsidéré à Bio qui est docteur la classe. Hein? Tu dois terminer ta licence en économie. Pendant qu'il savait que son adjoint était là, les représentants légal. Ça n'a pas été facile. Qui est donc comme ça, ailleurs, dans ce quelque part, à haute États-Unis, à Zomina, Premier en 2010, a dit non, tu es représentant légal sur papier. Tu n'es plus le pasteur de l'église, tu restes représentant légal sur papier. J'aimais notre pasteur. Alléluia. Parce qu'il dit, toi, va chercher du travail. Tu es licencié en économie, tu peux faire mieux que ça. Pendant cette église-là, l'église est en train de sombrer. Alléluia. Il reconnaît que son fils a la grâce du Seigneur. Il reconnaît que son fils a été appelé de Dieu. Mais ça n'a pas été facile. Alléluia. J'ai béni encore l'un de mes frères, le pasteur Richard, qui a connu nos débuts. Ça n'a pas été facile. Alléluia. Et l'homme de Dieu dit qu'il est né pour nous comme ça. Jusqu'à ce que la consécration est arrivée en 2008, il y a un autre homme de Dieu du Canada qui est venu nous dire non, 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 non. Ceux qui sont là au monde de la zone de Bissamoussala, pendant que ton fils a été appelé Tikaï Asala Moussala, ne le vois pas comme le fils biologique, mais vois-lui comme quelqu'un qui est appelé de Dieu. Voilà pourquoi, si les autres se compromettent, si les autres font n'importe quoi, Bazo Koïsama, Bazo Sala, n'importe quoi, la date d'église, mais lui il est là. Ne le regarde pas comme ton fils, vois-lui comme étant. En 2008, la consécration est arrivée, la confirmation. Lui, il est parti en 2004. En 2005, on a commencé à travailler, mais ma déconsidération dit Alléluia. Alors, en ce moment-là, je me disais, il y a des gens qui me conseillaient, Tala.
vous appelez le pas on a dirigé la famille maternelle. Ah, la famille paternelle. Que Dieu tient l'église côté pour nous. Mon état a dit que ça, on a. Via ce considéré, on a dit que nous avons dit qu'il y a un petit nanga. Ça m'a bien dit que ça, on a dit que ça, on a. Que Dieu tient l'église côté pour nous. Que Dieu tient l'église. Il y a des hommes de Dieu qui m'ont conseillé comme ça. Viens, Nabino, à ce moment-là. Et franchement, c'était des déconsidérations. Comme ça, on tire au député. Mais je me dis non, je ne peux pas porter la main sur loin de l'Éternel. Il est mon Saoul. Quand bien même de fois je peux être négligé, de fois il te rend la vie difficile, de fois tant que je vais passer, je vais partir d'avant moi 100 dollars, moi la soupe à 100 à moi, mais il y a une place, voilà, rien du tout. Et ça me fait le voir la sœur à ma gamme aussi si tu dis que tu as un salon, un salapé, et ce qui a dit, toi, tu dois chercher du travail. Moi, j'étais corps médical, j'ai travaillé plus de 26 ans, maman. J'étais anesthésiste et réanimateur. J'ai travaillé dans le centre médical, docteur Léo. J'ai travaillé dans des grandes institutions. Et toi, tu ne veux pas travailler pour quoi? Alors, tu n'auras ni un franc, ni un dollar. Pour ce salaire, vision, ok, ma soeur à balar, on a raison pour le salon. Le père habité, il y a un peu de temps. Et ceux qui étaient là, ils ont bien dit ça. L'église aura 25 ans cette année. On a connu beaucoup de retards à cause des serviteurs. Pendant que je me disais, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Parce que c'est la bimana, yo, quelqu'un sait l'église place, mon chouchou. L'anguengui, il fait par la vie des amis. Mais le seul qui n'a rien dit aux extensions, il y a EPDF, pour changer de comporter. Je ne peux pas lever la main sur loin de l'Éternel. N'a pas eu pour simbater, n'a pas eu pour simbater à mon papa la mienza. Babi ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors je m'adresse aux serviteurs de Dieu qui sont présents. Peut-être que vous avez des pères tueurs, comme Saoul. Notre, comment y parvenir, notre question c'est quoi? Continuez à leur honorer, continuez à leur faire du bien, continuez à leur considérer. Mais un jour ou l'autre, Dieu s'en occupera lui-même au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu notre amen. Amen. Nous ne pouvons pas porter la main sur le père Saoul. David a eu l'occasion de tuer Saoul. Ma katika a songé la belle à Kenan. Lisons le deuxième exemple. Ce n'était pas une seule opportunité. Non, non. On s'abstient sur la boutade de l'opportunité. Ah, t'as su à Zalaki, mon courant là, la mouée et ma larme. T. Asaléon Balami Balé. 1 Samuel chapitre 26. Il a eu encore une autre occasion d'éliminer Saoul. Saoul a seul l'arbre manié. Saoul a seul la salle et ma bé. Il a eu encore une autre occasion de le tuer. 1 Samuel 26. Tu peux lire à la maison 1 en 11e verset. Mais on peut nous lire juste. On peut lire juste à partir du verset 9e. 1 Samuel 26, 1 à 11, dit à la maison. On peut lire le verset 9. Elle servait. 26, 9 à 11. À partir du verset 9. Oui. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel. Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la couche d'eau et allons-nous-en. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Deuxième opportunité, oui, même si je te par la première opportunité, il dit, ah, il y a tout au la salle et ma bé. Nous voyons la mouka et ma lame. Dans 1 Samuel 24, parce que dans la mouka et ma lame, dans 4 états, Mandou et Lamba, David a dit, son et Lamba, à qui n'en nous. A l'émissé vieux. Au moni, ce n'est pas ma coquille, au bon moment, il y a un bon moment. Oulala qui pour lui, ma casse. Mais la katika, la son et Lamba, na yo, na qui n'en nous. Amen, amen. Mais deuxième opportunité, au salle et ma bé, qui dans 1 Samuel chapitre 26. A Kouti Bambala, il arrête à grotte. A Zakina Soda, il y a Abishai. Abishai a dit oui, il est mon la lana, mais il a repété la flèche, il a zéro, il a zéro. Il a pété la flèche, il a fait la place. Il a dit, loin de moi, il a dit, on a Simba, mon papa, la mine en Zambé. Il a dit, Simba, il a dit, mon papa, la mine en Zambé. Il a dit, il a dit, il a dit, il a chanté des batailles. Comme nous avons comme ça, on a remplacé. Deux fois, nous sommes là pour chercher à éliminer le ça comme Viazo Kate. Et pour faire un et ça, on a un cas. On a dit, loin de moi, on a Simba, mon papa, la mine en Zambé. On a dit que Simba, il y a mon papa, la mine en Zambé. Ce qui a un coup, il faut faire un dégât. A celui qui a lancé, à celui qui a donné, à Kéli.
Elle a fait aussi qu'Abner, Abner. Il y a battu mon candidat de l'île. Abner a été général chef d'état-major. Mon candidat à l'Ali Pongi, il y a chef d'état-major, il y a quelqu'un qui a mon candidat. Jonathan Tirabola. A dit, il y a un ah, Abner. Aux impérissables, il faut que je ne me fasse pas de yo. Tant que je ne me fasse pas de mal, à lui lance, à lui épée, à lui bidon à ma yo, ça va être amené. On a salué. On a yo, on a la vie. On a la David. On a mon nom, yo. Oui, papa. Zamba kaba tu na maboko na ngai kasi na boyi ko tombola maboko na simba yo adi ah pamola ma yo kasa uli mo a changer langage mwana nga o pa kwa ma mwana mo kende liboso tikete tata na changer langage na kombo na Yesu. Alléluia. Grâce à comportement na ata tata na za père Saoul a kotala a ko changer langage so yo zo tambola mala so yo zo honoré un jour a ko changer langage habite mwana nga. Alléluia. Un jour, si c'est mission à RTDA, on a parcouru dans la nation, a dit, on a balancé le bon bois qui, donc, a dit, ah, gloire à Dieu, que Dieu soit loué, on a pressé mon parcours, mon kéné, mon kéné, mon de ma Dieu, a dit, ah, elle bat du marathon pour mon malin, malin. Alléluia. Puisque Dieu conscient, c'est qu'on a. Nous voulons nous honorer, Père Nano. Amen, amen. Quand on voit le bon côté du colonel, comment il va venir face au Père Saoul? Continuez à l'honorer, continuez encore à le soutenir. Un jour, Dieu lui-même s'élèvera en ta faveur au nom de Jésus. Amen, amen. Et je m'adresse également au Père Saoul, Zamba Sungabiso, qui est pour considérer par la vision. Amen, amen. Je prends les deuxième sorte de Père, le temps nous fait de faux, nous allons peut-être avoir le temps de creuser et donner des syllabus. Le Père Élie. Nous avons parlé du premier Père, c'était le Père Saoul. Les pères Saoul, les abatata, babo marabala na bango. Ma Seigneur. Alléluia. Ba père Saoul, babo marabala na bango. Bango moko. Ba limite que bana ba avancé, bana ba tombe la moutou. Mais azo reconnaître que moi, na on a zané pas pour la mine en zambé. Azo reconnaître que tu as un mystique. Mais yé moi azo bomaï. Yé moi azo tire bakan. Mais yopé, moi na pour bomaï te. Continuez pour honorer Tina Souka. A tous un manteau, katara manteau, mais pour ça, elle m'a bêté. A tous ceux qui ont lance, ceux qui ont bidon, parce que pour ça, elle m'a bêté. Pour tout le monde, qui t'a tati, qui t'a tata. Tout le monde, on a pas la Eli. Moi, quand j'ai dit Bolumbu, allez, pour ta la tata Bolumbu, on a tata, il a pas qui m'a sanga. A ce moment, alors c'est que ça va y aller. Viens, dans mon hyper, elle a tacle, côté Bouna. Viens, elle a tacle. Ah, alléluia. Aïe, côté de la vie, oh, je vais vous dire, moi, je suis là. La commande, moi, je suis là, j'avais 5 chapitres, j'avais pas ce que j'ai dit. Alléluia. Alléluia, quand je m'a fait, bah, il y a un nom, tu as toujours converti. Tu as calculé géographie, celui qui vient dans le salon, tu as calculé géographie. Bah, il va boire qui est là-bas. Bah, non, non. Hein, nous, là, nous, 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 nous. Alléluia. Alors la main qui m'a dit parce qu'elle s'est dit tata. Bolumbo tata. Général Sonia le Baka, et ça dépend de la maman. Elle disait qu'il a qu'il m'a dit pour la banne. Alléluia. Il a qu'il m'a dit pour la banne. Nango, vous n'avez pas qu'il m'a dit pour la banne. Alléluia. Ceux qui ont eu l'occasion de couvrir, ça dit à tata. Parce qu'il m'a dit pour la banne. Shalom. Nous avons passé sur la deuxième enseignement, mon maca, c'est que je vois de Sikaona. Deuxième sorte de père, ce sont les pères élus. Élie dans 1 Samuel chapitre 1er 2 3. Bah tout à l'heure j'ai dit sur comment est-ce que Élie a sa fille là-bas dans la Bible. Bande basali par sacrificateur. Je veux que tu puisses lire à la maison 1 Samuel 1 chapitre 2 3. Qu'est-ce qui s'était passé? Élie a sa fille là-bas. Il était faible pour la repas mais là-bas dans la Bible. Azo mon là-bas là-bas ça la mabe. Mais si quand pas mais là-bas moi sur les sabbats dans Zéla, azo ça la ngoté. Balabaso soit mis sur Yama Bonza, Baso Kenango. Balabaso soit passé à l'église, Baso Kenabango. Alors Élie, et si tu as à répondre sévèrement, Balanae, Azo Salango. Il y a des pères comme ça, des pères qui sont mûrs, des pères qui ne sont pas capables de parler à leurs enfants. Donc peut-être c'est par rapport à leur caractère, à leur notion de caractère. Qu'est-ce que nous devons faire face aux pères pareils? Aujourd'hui, peut-être que vieux à le barapéza militer. Vieux Penza, Maramso a-t-il à laisser faire? Comment nous devons y parvenir? Il y a des poussins pas tata. Si on a tata, beaucoup. Poussins n'est pas les papas. N'a salami. Papa, pour la soeur, qui m'a bête au malam. Comme ceci dépend par rapport à caractère, à sa phlegmatique, à sa mélancolie, à sa sanguin,
Mon papa remonte à ma caméra, à Kanimoto, madame sort le vélo de Mouroanate. Madame sort le vélo de Mouroanate, a vendu deux jours, trois jours, une semaine, l'état se vanda, voilà, ma bezo comme. L'état se vanda, Jonathan, ma bezo sani, bezo comme. Alléluia. Il y a un samba sungabi, somorinami. Wana moni tata, bon, qu'est-ce que tu dois faire? Yo poussa la vie, l'homme savait, tata, place on a saint madame. Tata, place au Nelatina qui m'a dit, on a dit, elle y a un peu de casa pour le bas, à refondre ma part au Sumaru. Alléluia. Et place au papa Namona qui est à Malamouti. Maintenant, tout est prochainement, ok, Namon, on est Mamoun, on est Sumaru. 1 Samuel 3, 13, 14, lisons les fils qu'en texte. 1 Samuel chapitre 3, verset 13 à 14. Mon directeur, l'eau changée pour le châtir en ligne. 1 Samuel 3, 13, 14. Yes. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité. La MCT n'a repris ses tours, on n'a pas la libéré la libella. À cause du crime dont il a connaissance. Voilà ma paix au Yahébi. Et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Sans qu'il les ait réprimés. Bah l'aimba sali ma paix kasi a télémeli bango. C'est pourquoi je jure à la maison d'Eli que jamais le crime de la maison d'Eli ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Ah. Est-ce qu'on va acclamer pour la parole du Seigneur? Batata Moussou Bazaraboui, sans qu'il les ait réprimés, bané bon salamabé, bané bon tambour la malamouté, alléluia. Le cassier a su mokate à Bébabo pour pas me la bango. Shalom. Azwi ngongati akwe ba kozongi sabango na nzela. Batata msou baza bongo, tam sa lo ba pre une semaine, tam sa lo ba pre un mois. Mais tam sa lo bi apre une semaine et koko ma trota et lo ba wese poli. Tam sa yo zoe bate kosa la mabe. Tam sa yo zoe bane kosa mabe ben vie a nasa na la kama. So za la tata bongo, zamba sunga yo. Yo pousa na la mi mi pe li pe na li vie. Plaso na sali bien. Na plaso o monde ni, na kene ne ni. Lo bi sakali. Pousa na la pe li pe na li. Alléluia, il y a des pères comme Élie, Élie le sacrificateur. Alléluia, sans qu'il les ait réprimés. Azu moi na somo na mona so sala mabe. Moi na sam sa sali bien te na ta mona so le bika mona bien te na ta ta so sa ka même mala mute. Bon ça va. Mais c'est faire. Non le bela ka une semaine. Non 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 non. Soyons des pères au roi du baou ma ko agir. Alors comme que je ma comment politique na c'est ça que ta tande ni au sala même que ça. Quand concept de César, comment il va venir délivrer la bakoussa. Ah, moi, je suis un peu de tata. Et on va nous faire tata pour nous. Nous sommes tous les tata. Tata place au Nazo Salabo, au Lumini. Ah, si on peut se faire délivrer, on peut s'occasion à fouer. Non, face à tel problème, j'aimerais qu'on me manque de l'homme. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas toutes les capacités. Mais si toi tu t'approches à mon sungayo, à mon fungouama, pas pour le milan, ils ont pour sa montée manaï. Sans qu'ils les aient réprimés. À pas mais là qui va monter. Ni les amas la bosse à valer, tous pas mais la bamboté. Vous avez la barre de la église. Et pourquoi est le bel qu'on a eu conséquence des amis? Bah la bakoufaki, et lui paye moi sa ligne à koufaki. Attention, la mort est à la porte. Je te dis qu'on pas mais la barre à tes causes que ça va en zéla. La notion de père, c'est comme la notion des enfants. On a vu ce qu'il y a dans le proverbe, mais au beau et la moelle, on a un film bouté. BTF film quand il s'agit en BTF film. Sungaï quand il s'agit en Sungaï. Amen, amen. Quand il faut ganga, on gagne. Colère sainte, le mot à Jésus, à cause de ça, à partir de l'eau, parce qu'il y a un qui m'a posé à ma âme. Alors, nous, moi, la somme, on a dit, pour ça, à une semaine, puis qu'on s'en va, pour profiter d'un vie à vie en l'humanité. Ils ont gagné, ils ont gagné ma case. Yo Poussala Pilipenaï, approche ton père, parle avec lui. Tu veux faire quelque chose, demande sa proposition. Papa dit, je veux faire ceci. Là, c'est un ennemi. Bon, mon fils, pour ça, salabou, 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 yo qui. Comme ce Paul a dit, comme ça, qui l'a dit, est-ce que Zaki Malam? Oui, c'était bien, mais tu dois faire ceci. Approche-toi auprès de ses pères pareils. Et ça, pour son avis, sur ma combo, là, amen, amen. Alléluia. Je prends le troisième sort de père pour chuter déjà. Le père Moïse. C'est le père par excellence. On a parlé des pères tueurs, père Saoul, on a parlé des pères qui sont laissés faire. Père Élie, ils sont des pères laissés faire à Salakaka, à Moana. Batata Moussou Bazarabou, Moana Zobinanae,
C'est comme ça qu'il y a des pères Élie. Basala Karaba, on comprend le ciment. Non, les laissez faire. Les pères Élie sont des pères laissés faire. Mais tous à ma père Moïse, ce sont des pères coach. Troisième sorte des pères coach. Des pères coach, ce sont des pères qui aident les enfants à avancer. Ce sont des pères. Les fils de Joseph. Hein. Joseph. Oui. Et dit. Pourquoi nous as-tu donné en héritage une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a béni jusqu'à présent. On continue. C'est bon. Exode chapitre 17, verset 10. Exode 17, verset 10. Exode 17, verset 10. Exode 17, verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Amen. Josué fit ce que Moïse lui avait dit. Sois un père coach, un père qui est en train d'orienter son fils à faire quelque chose de bien. Alléluia. Père coach. Azoye fait sa moi la même instruction. De ce côté-là, fait ceci, fait cela. Azo entraîné moi na akoma lokolaye. Akoma yé fait pêcheur d'homme. Alléluia. Na Exode chapitre 17, on a basé sur ce que on a abîné à Josué. On a des hommes, bah qui le reconnaissent à Amalek. Amalek a été reconnaissé à Israël à Réphidim. Abîné à Josué, choisis-nous des hommes fidèles. Ce n'était pas Moïse lui-même qui était allé faire, mais il a dit choisis-nous des hommes fidèles. Bah, on va abîné le reconnaissé à Amalek. Alléluia. Alors, soyons des pères coach. Tu ne vas pas tout faire seul. Tu as besoin de l'autre côté qu'il y ait des intercesseurs. Tu as besoin de l'autre côté qu'il y ait des mobilisateurs. Tu as besoin qu'il y ait des modérateurs. Tu as besoin de l'autre côté qu'il y ait des gens de la sécurité. Soyons des pères pareils. Et quand tu as un père comme Père Moïse, mon ami Yokaïmi, comment y parvenir face au Père? Écoute plus ce Père-là. Donne-lui de l'affection. Considère-le. Et la grâce de l'Éternel sera ton partage au nom de Jésus. Le Père coach, il a le souci que Dieu peut aussi aller. Alléluia. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Le roi la tata tini nga pena salini na tini bino. Père coach a un souci que l'homme peut moi nae zéré fouwa. Alors sans la tata bongo, comment y parvenir face au Père coach? Continue de le donner, continue à lui être obéissant. Et l'une qui est sur sa tête tombera sur toi au nom de Jésus. Lorsque tu as un père pareil, un père qui sait t'ouvrir des opportunités, fais-lui confiance. Aime-le. Alléluia. Donc, on va dire que ce soit pour le lingala de tata. Vous avez une relation, il y a un professeur en géographie, on comprend bien pour nous. Soit il y a un professeur, il y a mathématiques, on comprend bien pour nous. Il y a un professeur en maths, on comprend bien pour nous. Alléluia. Alléluia. Tous à ma père coach, ma père Moïse, ma père Bantina Josué, qui est soit Moïse à et Moïse n'a pas de Abina Josué, yonde pour Nabatou. Essaie de faire confiance à tes fils. Nous avons besoin de pères qui nous font confiance. C'est ça le grand problème. Nous sommes capables, papa, ça va ta confiance. Mais papa, vous savez, la confiance. Tiki la moine, la vie s'est dénoncée à mon direction, tiki la salle. La vie s'est dénoncée à mon tiki la salle. Et t'as dénoncé, c'est ça les remarques. Fungole, c'est là, comme tous, à te et à ta dans la vie. L'obi, l'obi, fungole, c'est là. Et l'obi, l'obi, moi, on a, à pour refléter, nous, à vous aller à la tête, moi, pour la gloire du Seigneur. Voilà les trois sortes de pères dont nous allons faire l'illusion. Le père Saoul, ce sont des pères tueurs. Il sait que son fils a la grâce du Seigneur. Mais Azar n'a pas le recommandé. Mais l'autre moi, petit caté, au moment de la tati, continuez à honorer. Nous avons dit des pères comme Élie sont des pères laissés faire. Des pères laissés faire à l'Obaraké, Azar timide. Comme si on a eu moi, je suis en train de faire la tata. Mais le comportement, il y a moi, il y a un peu papa, on a comme un fort. Et on a approché. Papa, il y a un salabou. Il y a un rendre un tata. Alléluia. Et des pères, aujourd'hui, soyons des pères Moïse, des pères coach qui confient les responsabilités, qui préparent les enfants. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel s'adressa à Josué, serviteur de Moïse. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Nous allons prier pendant 2 minutes et nous allons demander. Alléluia! 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 Oh, alléluia! Alléluia.
Catherine Amis.